Hello la gang! On est dimanche après-midi. Je vous ai filmé vraiment beaucoup de parcelles de mon vendredi soir puis de mon reset du dimanche. Et là, je suis à la ferme. Fait que... Ouais, je vais me préparer. Je vais mettre mon petit casque dont tout le monde rit bien. Mais regarde, faut ce qu'il faut. J'ai apporté genre plein de restes à biquette. Puis du pain pour les poulettes aussi. Donc, c'était un beau dimanche productif. On a été déjeuner chez ma mom. Puis après ça, on a fait un petit siège. Je me suis entraînée. J'ai fait full de ménage, comme vous avez vu. J'ai fait de la bouffe. Là, ce soir, on va partir pas trop tard de la maison. Puis on va aller faire l'épicerie. Fait que ça va être pas mal ça. Fait que là, je vais vous apporter voir Biquette, voir comment qu'elle va. Et les poulettes. Bonjour madame! Biquette a vraiment mal aux jambes ce soir. Je le vois très bien. Oups! Mais oui, mais tu manges comme toujours. Tu vas l'échapper. Qu'est-ce qu'il y a ma belle? Ben oui, vous jasez donc bien. J'ai l'impression que Pauline elle pond peut-être une journée sur deux maintenant. Parce que là, j'ai seulement deux œufs de nuages. Mais garde, c'est pas grave. Cette semaine, on a mangé des œufs d'elle. Fait qu'elle guess que des fois, elle saute des jours. Pis vous? Ben oui, bonjour les filles. Bon, je m'assois puis elle s'en va. Madame! Bon, j'ai plus de pain. Fait que j'ai pas mal fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait voir les veaux, j'ai lavé le parc à Biquette, j'ai aidé pour la traite un petit peu. Puis là, je vais retourner faire à souper. Puis c'est ça, ce soir, on va aller faire notre épicerie pour aller voir le père ensemble un petit peu. Fait qu'on va apporter Simone avec nous. Ça va être pas mal ça, notre petit plan du dimanche. Je vous montrerai mon souper, puis je veux vous montrer mes deux livres, romans, que j'ai pris à la bibliothèque cette semaine. Je ne les ai pas montrés, je vous avais dit, je pense que je voulais y aller. Fait que je vais vous montrer ça, mais que j'arrive à la maison. Puis beau, toi! C'est un beau bébé! Petit cœur! Regardez comment sont belles! Ils sont genre toutes blanches! Ben, toutes blanches et noires, j'allais dire ça, mais dans le sens qu'ils sont comme toutes propres. Ils sont tellement adorables. Ils sont full fines en plus. Coucou! Cocotte d'amour. Je vous retrouve dans mon petit spot, toute cosy, dans ma chambre. J'ai comme allumé ma petite lampe. Je sors du bain, puis j'ai comme full fait une grosse skincare. Ça a tellement fait du bien. Ben, pas tant dans le fond, mais comme... Je sais pas, ça m'a juste vraiment fait du bien. Puis il n'y a rien qu'un bon lavage. Je cherchais le mot. Après être allé à la ferme. Genre, ça désinfecte, là, comme. Ça fait du bien. Fait que bref, avant de commencer mon souper, je voulais vous parler un petit peu de lecture. Fait que ça faisait tellement un bout, j'avais pas été à la bibliothèque de mon village, puis j'étais tellement contente d'y être allée. Il y avait tellement des belles nouveautés, la gang, comme je le disais à la petite madame qui travaillait. Puis j'en reviens pas à quel point on est chanceux dans notre village d'avoir autant de belles bibliothèques. Puis by the way, elle va genre changer de place. Fait qu'elle va être encore comme un peu plus grosse, je crois. Puis on a tellement tout le temps des belles nouveautés. Fait que je vous montre ce que j'ai pris. Premièrement, j'ai vraiment hésité parce que c'est un livre comme un peu plus d'été. Mais bref, j'ai pris « Tous nos étés » de Carly Fortin. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais je l'ai tellement vu passer sur TikTok cet été. Puis je pense que j'avais jamais vraiment comme su c'était quoi l'histoire, ou du moins... le résumé. Mais tu sais, juste pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui est écrit. 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. Je suis à peu près à la moitié, dans le fond. Ouais, je suis au chapitre 9, puis je suis à la page 160, quasiment 160. C'est vraiment un coup de cœur. Pour vrai,
Je c'est tellement bon là, comme je regrette pas de l'avoir pris même si on est en hiver parce que je trouve que ça me donne un petit peu envie à l'été. Puis je sais pas, ça me fait juste me mettre dans un autre mood complètement, c'est tellement bon. C'est vraiment une histoire d'amour, le personnage principal c'est Perséphore. Perséphone. Puis son comme d'amour s'appelle Sam. Fait qu'on dirait que ça me fait toujours penser à mon petit chum. Mais, oh, c'est tellement bon. C'est comme dans des chalets. Puis là, elle va là. Tu sais, elle habite à Toronto, mais ils vont là, comme à certains moments de l'année, dans leur chalet. Puis c'est comme le voisin. C'est les voisins de Sam et Charlie qui sont deux frères. Puis là, ils deviennent vraiment inséparables. Puis tout ça. Mais là, dans le fond, ce qui est vraiment nice, c'est qu'un chapitre, on est comme dans le temps. Puis il y a un chapitre qu'on est maintenant. Fait que là, dans le fond, ça va faire 12 ans qu'elle a pas vu Sam. Puis elle va devoir revenir dans le village où ce qui habitait là, avec leur chalet et tout ça. Parce qu'il est arrivé quelque chose et tout. Puis là, ils vont se retrouver. Mais oh, c'est tellement bon. Fait que ça, j'ai pas terminé l'histoire, fait que je sais pas la fin et tout ça. Mais pour l'instant, it's a big yes. Dites-moi si vous l'avez lu parce qu'il a tellement été populaire. I guess qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu. Mais c'est vraiment un gros oui pour moi. Puis j'ai été voir sur le Instagram de l'auteur. Puis elle a l'air d'avoir d'autres romans vraiment très bons. Qui ont l'air aussi de parler d'amour. Peut-être pas non plus, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le terminer. Et, ben dans le fond, je l'ai commencé jeudi soir. Puis on est samedi. Puis c'est ça. Dimanche. Puis je n'ai la moitié lu. Et j'ai aussi pris quelque chose d'un peu plus différent. C'est un auteur québécois, c'est Francine Ruel. Donc c'est le roman Anna et l'enfant vieillard. Si vous avez vu, dans le fond, il y a eu une série à TVA, me semble, ça passait, sur cette histoire-là. Dans le fond, c'est le garçon de Francine Ruel qui est itinérant. Fait que je pense qu'elle compte cette histoire-là. Puis ce que j'aime, puis je pense que je vais vraiment aimer ça, c'est des courts chapitres. Ben, c'est même pas un chapitre, mais tu sais, c'est comme, tu sais, ça, là, ben, mettons, genre ça, c'est un petit chapitre, mais tu sais, je pense que ça va être très poignant. La madame, justement, la petite madame, là, qui enregistrait mes livres, puis elle était comme, prépare ta boîte de mouchoir, puis tu sais, j'ai tellement pleuré à la série, à la télé, c'était vraiment bon, c'était bien fait, puis tout ça. Puis dans le fond, Francine Ruel, c'est vraiment son garçon, là, qui a vécu cette histoire-là, fait que j'ai vraiment hâte de le voir aussi, c'est un tout petit roman. Fait que je pense que je vais avoir le temps d'aller les reporter même avant la semaine de relâche parce que je me disais, je vais aller m'en chercher pour la semaine de relâche, mais là, c'est comme dans 2 semaines et demie. Ben, je travaille pendant la semaine de relâche quand même, mais tu sais, je me dis, je vais avoir un peu plus de temps tout de même. Fait que je pense que à la vitesse que je vais en ce moment, je lis vraiment beaucoup. Puis là, aujourd'hui, j'ai lu, puis j'ai lu hier soir, jeudi soir aussi. Hier, je vous ai pas apporté avec nous finalement, mais on a été manger au Saint-Hubert. C'était vraiment bon avec ma cousine, son chum et ses enfants. C'était vraiment une belle soirée. Puis on n'est pas revenu trop tard à la maison, fait que j'en ai comme profité. On a full relaxé. Puis aujourd'hui, c'était productif. Fait que je suis vraiment contente. Je suis comme full dans un bon mood. Puis là, ben, c'est ça, je vais aller faire mon souper direct live. Donc, j'avais fait mariner de la viande. C'était comme un steak là, de porc. Dans le fond, je vous ai pas dit, mais cette semaine, Sam, on a eu un cochon dans le fond complet. Fait que notre congélateur, je vous le dis, la gang, il est plein à rebord. C'est sûr qu'on n'achète plus de viande pour les 5 prochaines années. Non, c'est une joke, mais dans le fond, on en achetait déjà pas. Mais des fois, j'en achetais un petit peu. Là, impossible. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'on veut. Fait que là, j'ai du petit steak ici que j'ai fait mariner dans de la sauce soya, du sirop d'érable, moutarde de Dijon, puis du miel, comme dans un sac Ziploc, dans le fond. Puis là, je vais comme faire que ça. Ensuite de ça, je vais faire des petites lanières. J'ai fait des petits légumes comme ça, bien simple. Je vais juste sauter ça. By the way, j'écoute Marie Charest ici. Mais ça, je vais faire revenir ça. Puis ensuite de ça, je vais faire cuire des vermicelles de riz. Puis on va se faire, dans le fond, juste un petit sauté comme ça. C'est full bon. On mangeait quand même assez régulièrement. Ça faisait un petit bout, mais full simple. Puis tellement, tellement bon. Et voilà. Yummy. Non. On est en train de regarder la gang pour notre fromage de la semaine. Sam, il regarde déjà pour lui de la semaine prochaine. Puis, il faut absolument que je prenne avec une petite vache bleue. Je me l'ai fait dire. Ça n'a pas ça. Il faudrait qu'on en prenne un plus spécial. Là. Donc, je vais terminer le vlog avec un haul d'épicerie.
Mais ça, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, mais. Excusez pour le bruit. J'aime vraiment ça, faire des tours d'épicerie, puis de vous parler un petit peu de mon menu de la semaine. Fait qu'on a été au IGA. Ça nous a coûté 116, mais avec la carte 5 que je scanne à toutes les fois, j'avais 1000 points accumulés, fait que j'ai pu changer 10$. Fait que c'est vraiment très cool. Fait que bref, je vous montre. Premièrement, des pains comme ça pour Sam. Il va se faire des sous-marins avec cette petite viande-là qui s'est achetée. C'est du rôti de poitrine de poulet. Comme ça. C'est de ça, carottes, oignons verts. J'ajoute pratiquement jamais ça, mais je me suis dit que ça pouvait être bon. J'avais besoin pour une recette. Navet. Hey, j'ai tellement aimé ça cette semaine, faire ça là, en légumes, en accompagnement, genre avec de la viande et tout. C'était trop bon ça cette semaine. Et, piment. Et ça, un pain pour Sam. Deux fois de la sauce à pizza, ça en fait vraiment souvent sur des pains nan. J'ai acheté du vinaigre de riz. J'en avais pas, puis c'est toujours vraiment pratique. Puis là, je voulais faire une recette, puis j'en avais besoin. Miel, j'en avais plus. C'est tellement cher du miel, by the way. On en suit pas revenu, moi, puis Sam. Des cocos, rare qu'on en achète, mais là, c'est ça. On aime vraiment ça. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça me fait dire, on en passe beaucoup. Ouais, c'est vrai. Des petites sauces comme ça, banane, chocolat, on n'en avait plus. On a racheté un petit truc de petite viande comme ça pour notre classique petit souper. En plus, c'est en spécial. Et cette semaine, c'était à moi de choisir le fromage. Et là, on va essayer le Monsieur Gustave Gouda. C'est le fort. C'est une pâte ferme, ça dit affiné 6 mois. Il ressemble à ça. On a comme scanné le petit code QR ici pour aller voir sur le site puis tout, en tout cas. Fait que j'ai offert 3 choix à Sam puis c'est lui qui a choisi. Fait que on a vraiment hâte de le tester. Des petits Danone comme ça. Vermicelle de riz. J'aime tellement ça. C'est un classique qui est en spécial aussi. Ananas. Ça va être notre fruit de la semaine. Pour vrai, les fruits étaient tellement chers, la gang. Ça avait même pas de sens. Fait que j'ai vu ça, puis je me suis dit, je vais couper ça pour la semaine, puis ça va être pas mal ça pour manger des légumes. J'ai acheté un truc de même, là. C'est comme la genre de salade de choux mélangée. Dans le fond, je vais faire des bols d'egg rolls déconstruits. C'est la recette, ben, c'est Marie Charest qui l'a montré dans un de ses vlogs. Dans le fond, c'est comme de la viande hachée, des pâtes ramen, ça dans ta viande hachée, du vinaigre de riz. C'est fait une genre de petite sauce avec du yogourt grec, de la sriracha. Du miel, en tout cas bref, fait que ça a l'air vraiment bon. Fait que ça, on va essayer ça cette semaine. J'ai acheté des fèves vertes comme ça, j'aime tellement ça moi pour vrai. Ça me fait acheter un petit plat de crème d'honneur. Autre sauce, céréales, ici, comme vous voyez, croissant, patates et crème sûre. J'ai décidé de prendre sans gras, là, sans cholestérol, douce et crémeuse. Parce que j'ai hâte de voir si ça goûte pas mal la même chose. C'était le même prix, mais je me suis dit, c'est quand même gras, là, de la crème soupe et tout. Puis, j'aurais peut-être faire des bols mexicains cette semaine ou je l'aurai pour peut-être la semaine prochaine. Fait que ça ressemble à ça, notre épicerie. Je suis vraiment contente. Puis, dans mon prochain vlog, si je fais les bols egg roll, je vous les montrerai. Fait que je termine le vlog là-dessus pour le mettre en ligne le plus tôt possible. Puis, on va se revoir au courant de la semaine pour un prochain vlog. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde, dans mon petit week-end. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!